Ça, tu veux pas, Lyon. Ouh. Attends. Hey, ouais, c'est... Attends. Ça va aller. On est calme. Ça va aller. Je suis un petit peu tendu, mais ça va aller. Lâche-le. Non, ça va aller. Attends. Et tu sais, ma valise. Non, arrête, rigoler. Je saigne du cou. Ça va aller. Non, c'est ma main. Arrête, rigoler. Je suis content parce que... Mais alors, Ben Laden, tu es sorti de ta grotte. Arrête. Allez, à la maison. Ça y est, j'ai trouvé un... ma valise. J'ai trouvé un emploi dans Dublo. Je suis content. Regarde comme elle est contente. Regarde. Elle est toute contente. Quand elle a la poignée sur le côté, comme ça, c'est qu'elle est contente. Tu sais quoi, j'ai trouvé comme emploi dans le boulot. Attends. Et casque bleu. Casque bleu prototype. Suisse. Pour l'instant, je suis tout seul, puis ils m'ont dit, on n'aura pas d'autre. J'explique. Ma valise. Arrête rigoler. Tu sais quoi, casque bleu prototype. Ah bon, mais qu'est-ce donc que ceci? J'explique. On dit. Arrête rigoler, c'est tenu pour la moquerie, il y a des salles pour ça. Qu'est-ce que, par exemple, on dit qu'il y a un confit. Il y a un confit. Toi, t'es comme le missionnaire, tu prends position dans le confit. Tu te mets au milieu du confit, t'as pas le droit de bouger, puis hop, tu reçois les coups, puis t'es bleu. Ma valise. Moi, je me méfie parce que des fois, elle se fait la molle. Arrête. C'est à cause de l'ONU qui veut des casques bleus. Parce que l'ONU, c'est l'eau qui est pas habillée. Elle n'est pas très bonne, celle-là. Tu sais quoi? Là, tu passes un concours pour être casque bleu. Parce qu'ils prennent pas n'importe qui, ils en ont sélectionné trois. Et sur les trois, ils en prennent que la moitié. Je suis une mobilette, la prochaine fois j'achète la selle. Tu passes un concours, pas de casque bleu. Ils te posent des questions, il y a des pièges partout. Comme je dis, dans tout chevreuil quimio, il y a un chat qui s'ignore. Je suis peut-être demeuré, mais j'habite chez moi. Ils te posent des questions, puis tu sais où elles sont les questions. J'ai cherché, mais j'ai trouvé, elles étaient sur la feuille. La première question, c'était... elle était en haut de la feuille. La première question, c'était, quelle est la plus petite unité de mesure? Facile, le 1000 mètres. Gagné. La deuxième question, elle était en dessous, c'était, quelle est la plus petite unité de temps? Le milliseconde. Gagné. Et la troisième, elle est lumineuse. C'était, quelle est la plus petite unité d'intelligence? Le militaire. Ils m'ont pris quand même. Le chef des bleus, avant il était tout noir, c'est le chef des bleus, il était tout noir. Comment s'appelait-il? Kofi.
Le petit coffee noir, mais serré. Alors là, bon. Alors par exemple, quand tu pars dans la... Bon, quand tu prends la position du missionnaire, quand t'es casque bleu, bon. Alors il te donne, pour partir dans les confits, te donne un casque bleu que tu mets sur la tête. C'est un casque bleu que tu mets sur la tête, mais il est bleu comme ça, il est rond, puis tu le mets sur la tête comme un casque bleu métallique. Mais celui-là, il est... C'est un casque bleu métallique, tu sais, tu mets sur la tête comme un casque bleu métallique. Mais celui-là, il est sur... C'est un casque bleu métallique, c'est comme un casque bleu, il est rond. Puis tu poses sur la tête, il dit, tiens, mais t'as un casque bleu métallique, mais c'est pas le nom, c'est un casque bleu. Bon, t'as pas le choix dans la couleur, hein, mais c'est un casque bleu. Alors si, il a une particularité, il est creux à l'intérieur. Alors... Oui, c'est pour pas qu'on le mette à l'envers. comme j'ai dit au chef, hein, dis donc, c'est pas parce que le poisson rouge saigne du nez qu'il va prendre la poutrelle qu'il a dans l'œil. Alors là, bon. Alors tu. Ah, mais c'est un nom, c'est un casque bleu métallique que tu mets sur la tête comme ça. Comment ça s'appelle? Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Et puis avec ça, alors il donne. Ah, c'est pour vrai, il est ressorti. Alors après ça, il te donne un gilet pare-balles. Alors ça, il m'a expliqué l'expresso. C'est parce que... Coffee. Alors là, il m'a expliqué. Ah ben non, mais faut suivre. Alors là, il m'a expliqué. Il me dit, c'est parce qu'en cas de conflit, tu tombes sur des skippers. Alors, si, quand tu vas en Aga... Par exemple, tu pars dans la mission en Agamemnikistan. Bon. Ah oui, c'est déjà pas facile à dire, va le trouver sur la carte. Bon. Alors, par exemple, tu tombes sur des skippers. Des skippers, ah bon, mais qu'est-ce donc que ceci? Alors, j'explique. Alors, le skipper, c'est un gars qui est dans les encoignures de murs, comme ça, et puis il te skip. C'est pas le nom. Non, mais que dis-je? Mon bras, alors là, c'est des sniffers, c'est des gars, ils sniffent. Ah oui? Alors c'est des gars, tu comprends-tu? Ils te voient, tu les vois pas, mais toi, tu vois pas qu'ils te voient pas. Ah, lequel est le plus intelligent sur le deux? Il y en a pas. Alors bon. Oh bah dis donc, quand un paillasson se met en boule, c'est qu'il y a un hérisson qui est caché pas loin. Alors bon. Alors le skipper, il te skip comme ça, trois fois dessus par exemple, il te tire trois fois dessus. Alors je lui ai dit l'expresso, non pas de sucre, je lui ai dit comme ça. Dis donc, le skipper qui tire trois fois dessus, un gilet par balle. Dis, faudrait peut-être penser avant de réfléchir. Tu lui dis, attends, il est percé, je vais chercher un autre. Oh, dis, oh, faut pas nous prendre pour les autres, hein. Alors, dis donc. Alors, comme ça, puis là, ils te mettent le chiffre que t'es sur le casque pour pas que tu te perdes. Ils ont mis UN, hein, pour pas qu'on se perde avec la valise. Ouais. Ben, ils nous ont expliqué comme ça. S'il y en a un qui part d'un côté et puis l'autre de l'autre, vous faites le total, vous divisez par deux, puis c'est bon. Là, je vais m'entraîner au Liechtenstein. Alors c'est rigolo, parce que c'est tout petit le Liechtenstein, puis on apprend à sauter en avion. Ouh, que c'est rigolo. Alors, tu sais, ça va très vite, parce que le Liechtenstein, c'est très petit. Alors quand t'es dans l'avion comme ça, puis que tu veux ouvrir la porte, le temps que tu ouvres la porte, qu'on te pousse comme ça, puis on dit, allez, vas-y, saute. Tu fais, non, 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 si, si, saute. T'arrives en bas, mais t'es déjà en Autriche. Alors la première fois, tu dis rien, puis la deuxième fois, hop, tu mets le parachute. Oh, bah donc là, il s'est mis en colère, l'expresso. Il me dit comme ça, mais qu'est-ce que je veux faire de vous comme casque bleu? Je lui dis, foutez-moi la paix. C'est...
Où ça? Merci. Pierre Auquel. Merci.